Pour moi, le réseau, ça a toujours été important et je trouve que c'est assez difficile à mettre en place. Donc, je suis assez contente que la commune, justement, fasse ce lien. Le partage de ressources, le partage de moyens, le retour d'expérience, c'est quelque chose qu'on devrait partager, à mon avis. Et pas juste le mettre sur le site pour que les autres aillent chercher, mais avoir justement un acteur central qui nous permet de nous rapprocher, en fait, et de faire ces échanges-là. Donc, pour ça, je suis assez contente du lancement et j'attends de voir. On est tous issus de parcours différents, donc c'est ce qui fait la richesse, justement. Donc, par exemple, moi qui est plus technopédagogique, en discutant avec d'autres ingénieurs pédagogiques qui sont issus des sciences de l'éduc, ça nous permet de développer d'autres idées, d'autres méthodes d'accompagnement des enseignants. Et à mon avis, la fabrique pédagogique va nous aider, va faciliter cet échange-là et le renforcer surtout. J'accompagne les enseignants du supérieur à tester de nouvelles pratiques pédagogiques, à se questionner sur leurs pratiques, parce que le monde évolue au niveau des étudiants, au niveau de la technologie, au niveau de l'internationalisation aussi des formations. Donc j'accompagne les enseignants à tester de nouvelles choses et surtout à être bien dans leur enseignement, bien dans leur temps, que ce soit avec ou sans le numérique. C'est un métier qui est assez polyvalent, donc il y a plusieurs compétences qui entrent en compte. Il y a à la fois le côté pédagogique et à la fois le côté plus technique qui concerne le numérique. Donc j'aime bien pouvoir allier ces compétences et pouvoir aussi travailler sur des projets qui peuvent être différents. Le contact humain, la formation et l'accompagnement des enseignants, c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Le fait de voir cette satisfaction chez un enseignant après des mois de travail et qui viennent me dire merci, mes étudiants sont très contents, j'ai vu les résultats des étudiants améliorer depuis que il a adapté un peu ce qu'on avait fait, ce qu'on avait travaillé ensemble.